réaliser un risotto. Pour réaliser le risotto, nous avons besoin d'un riz rond italien, de l'oignon ciselé, certains professionnels ajoutent des échalotes, une première partie du beurre pour faire suer les oignons, du parmesan, une deuxième partie de beurre, du vin blanc, de l'assaisonnement, du sel, du poivre. Et ici, nous avons au chaud un consommé de volaille. Le consommé de volaille est le double du volume du riz. Préchauffer son sautoir, il est préférable de réaliser le risotto sur une plaque. Faire fondre la première partie du beurre. Nous allons faire suer les oignons ciselés. Évitez surtout toute coloration. Nous allons maintenant verser le riz rond et enrober de matière grasse. Cette opération est similaire à celle du riz pilaf. Nous appelons nacrer. Il est important d'imprégner la totalité des grains de riz, ce qui évitera au riz de coller. Encore une fois, évitez toute coloration. Déglacez avec le vin blanc. Réduire pratiquement à sec pour enlever toute acidité. Après réduction, nous allons maintenant bouillir avec notre fond blanc de volaille. Bouillon. Nous rappelons le double du volume par rapport au riz. Nous allons mouiller environ en deux ou trois fois. Remuer assez souvent jusqu'à absorption complète du fond. Cette cuisson au départ se fait à découvert. Le fond est absorbé en grande partie, remouillé. Le temps de cuisson va être minimum à frémissement de 25 minutes. Le fond est à nouveau absorbé en totalité. Nous allons mouiller pour la troisième fois. Nous ajoutons ici le reste du fond et pour bien terminer la cuisson, nous allons couvrir. La cuisson est maintenant terminée. Il est nécessaire de contrôler la cuisson, goûter. Maintenant, hors du feu, nous allons incorporer la deuxième partie du beurre ainsi que le parmesan. Cette opération se fait au dernier moment, juste avant de le servir pour obtenir un moelleux parfait. Les Italiens appellent cette opération mantecare. Nous avons ici un riz parfaitement crémeux et un moelleux parfait. Il est nécessaire, avant d'envoyer, de rectifier l'assaisonnement.